Ouais, salut, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma première expérience sociale 5. Nous y sommes, Anis va se raser, ça y est. Allez, j'ai hâte, allez, allez. Et ensuite, on va aller voir la réaction des copains. Incroyable, incroyable. Il y a 3 ans, je faisais ma première expérience sociale sur ma chaîne. Je rasais ma grosse barbe. On voit bien que j'ai une grosse barbe. Elle n'est pas aussi fat que celle d'Anis, mais quand même. Ensuite, en mars 2018, Anis annonçait dans ma première expérience sociale 2 que si on passait tous les 3 avec Freddy les 100 000 abonnés sur YouTube, il se raserait la barbe. À 100 000 sur nos 3 chaînes, à 100 000 sur nos 3 chaînes, je me rase. Acté. Mais ça mangeait pas de pain parce qu'à l'époque on avait tous les 3 moins de 10 000 abonnés. Et surtout Anis avait une chaîne mais il faisait pas de vidéos. Sauf qu'en 2019 Anis s'y est mis et on a tous les 3 passé les 100K. Anis s'est engagé à le faire donc il va le faire. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Vous me posez très souvent la question depuis que c'est arrivé l'hiver dernier. L'année 2020 était un peu compliquée. Mais ça y est, on y est, c'est aujourd'hui. Il va pas se la raser complètement. Y a pas le côté genre choc visuel de fou. Toutefois il y a une petite surprise en plus qui devrait compenser. Hello. Il ne s'agit pas que de barbe, il s'agit également des cheveux. Des cheveux. Il n'y aura pas juste une vidéo sur ma chaîne, mais Anis a également écrit une petite série qui se tourne cette semaine avec Golden Moustache. Il y a 2 étapes là, je vais me raser, couper les cheveux pendant que ça filme, donc je vais faire n'importe quoi. Et après je vais chez le coiffeur pour qu'il rattrape n'importe quoi. Il y a un petit suspense, normalement on va me laisser rentrer sur le plateau. Je suis pas trop censé être là, mais j'ai quand même été faire le test Covid, parce que je suis un professionnel. On espère comme vous qu'on va y arriver. Après si on n'y arrive pas, c'est marrant aussi. La vidéo a fait 1 minute 12, on fait juste un diapo des selfies que j'ai pris. Je t'ai envoyé sur WhatsApp en disant désolé frérot. De toute façon, si je rentre pas, Anis, tu rentres pas. Vais-je réussir à rentrer? J'espère que c'est là, ouais, parce qu'on rentre freestyle. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu me diras la vérité si je suis chum? Ah, moi, tu me connais, je suis super cash. Elle est fiable sur la chumitude. Et t'inquiète, dans les commentaires, je pense aussi, les gens, ils vont y aller. S'il est chum. Bon, t'es sûr que t'as assez profité de tous tes poils? Ah, peut-être pas, non. Par contre, c'est peut-être la dernière fois que tu t'attaches les cheveux. Ouais. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. On parle de ciseaux et tout. Ouais. Allez, j'ai hâte, là. Allez, allez. Attends. Quand je me suis rasé, le... Oh. Mais t'as surtout perdu combien? 10 kilos, 15 kilos? 12. Le mec est chaud. Dans le game, je suis l'un des acteurs qui change le plus facilement de corps avec Mathieu McConaughey. Mathieu et moi, on... Mathieu McConaughey. Ah, je m'étais dit tout à l'heure. J'ai vraiment dit Mathieu. Quel est le pitch? En gros, c'est un mec qui s'inscrit dans la police après avoir perdu son frère, tué par la police. Une sorte de comédie, quoi. Une sorte d'infiltration. C'est une comédie, c'est vraiment le drame du drame. On va commencer à tourner, donc silence partout, s'il vous plaît. En général, c'est la troisième la bonne pour toi, c'est ça, dit. Là, il faut qu'il arrive direct. 1 sur 1, première. Bof. 1 sur 1, deuxième. Putain, je suis nul, putain. J'arrive même pas juste à couper. C'est parce que tu regardes dans le miroir, c'est pas évident. Bah ouais, non mais je suis un con, moi. 1 sur 1, troisième. C'est la troisième, la bonne. C'est un fond, acteur studio. Mathieu McConaughey. On dirait Jon Snow, là. C'est plus Khal Drogo, c'est Jon Snow, là. Enough, I'm Jon Snow. Donc ça y est, tu vas couper un bout de barbe, là, j'ai entendu. Ça y est, on y est. Ouais, on va tester, là. 1 sur 5, première. Action. Tu peux encore partir, tu peux encore t'enfuir, Anis. T'as vu quand j'ai coupé la barbe, c'est parti d'un coup, ça m'a fait un truc. Les larmes sont de plus en plus naturelles en tout cas. Non, non, c'est toujours Mathieu McConaughey. Motus en Inde, c'est ça? Anis part vers le coiffeur. Je sais pas si c'est utile d'aller chez le coiffeur. Ah, ça repousse, hein. C'est que matériel. Il y a des pays, il y a des enfants,
Ils ont pas de cheveux. Est-ce que t'as l'impression que ta meuf va plus te trouver beau? Ah bah ça c'est un des problèmes. Hier je suis allé la voir, c'était émouvant. Elle voulait pas me laisser partir et tout. Je vais vous montrer ce qui est idéal. Si les gens connaissent ce mec. Ton modèle c'est ça. Parce que moi je connais pas, tu vois. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si je veux, je mets des perruques. Hein. Hervé. Il est mort ce sel. Il est mort ce sel. Je suis prêt comme ça. En fait, c'est la barbe qui va me rendre chien. En fait, ça va vraiment me rajeunir, je pense. Vous, vous croyez trop, j'ai votre âge. Je suis d'un coup. Enfin, je suis vraiment un arabe, en fait. J'ai oublié. On a fini. Allez, mortel. Tu vas remettre des petits chapeaux et tout. Des petits châles, comme époque cheveux courts. Merci, messieurs, bonne journée. Bonjour. I'm back. Ça y est. Maintenant t'as la tête de l'empereur, on va pouvoir te mettre l'uniforme. Donc Anis change de taf. C'est un virage. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Hein. Après, j'essaierai d'être juste. Surtout avec les bougnoules. Bon bah Anis, je vous laisse faire votre petite journée de tournage et on se retrouve tout à l'heure. Attention à vous sur le chemin. Ça marche monsieur l'agent, bonne journée. Le clignotant. Je le mets. De retour avec Anis, nous allons maintenant aller voir des copains et faire ding-dong à leur porte et voir s'ils vont se rendre compte que Anis, il a plus tout à fait la même tête. Moi, je suis choqué, hein. C'est moi, là ? On commence par Zach, le cousin d'Anis qui est en famille ce soir. On sent de la veine. Pierre ? C'est calme. Évidemment, mais 60% à la poubelle dès la première année. C'est qui lui? Alors, je parle. On essaie de piquer une 16 vous proposer une alternative. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre en fait. Hein? Sortez c'est de pas chez même. Moi. Ouais, c'est vrai, il est pas dans. Sortez de là. Tu es pas toi? Oh, t'es ici. Oh, regarde, mec, ce que j'ai trouvé. Mais attends, c'est dans le thème ça. Un Slovaque. Attends, mais donne-lui une veste de costard. Regarde, il y a une veste de costard. Regarde comment il est classe. Franchement. Hey. Il est beau. Il m'a relooké en vite fait. C'est classe, hein. C'est un haut tacon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu nous manigances? Est-ce qu'on peut avoir ton visage ou... Je l'enlève du coup, je le remets pas. Tu le remets pas tout de suite, ouais. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse! Je te redécouvre, mec. T'es un deuxième soleil. Tu vois, c'était déjà un soleil, radieux et tout. Mais là, c'est toujours aussi radieux, mais différemment. Il est mal, lui. C'est gentil. Il y a une sagesse qui dégageait de la barbe et des cheveux. Et du coup, t'as plus ça, ouais. Mais t'as autre chose. T'as un truc un peu plus clean. Après, c'est accessoire, entre guillemets. Là, mais là je parle avec Cyrus. Bah, ouais. Lui, il m'emmène dans ces trucs-là et il est content. Il dit, ah, ouais, c'est moi, bien. C'est ce que je kiffe. Moi, je suis là, bah oui, yes, yes. Parce que je me rends compte, c'est plus important pour les gens que pour moi, tu vois. Enfin, désolé, mais comme moi je suis quelqu'un de ce que je fais qui est ouais. Que ce que je suis, je m'en fous en fait, tu vois. T'es un existentialiste finalement. Ah oui, bah ça je sais pas, ça c'est toi qui... Jean-Paul Sartre. Ah ok, bah voilà, c'est ça, je suis Jean-Paul Sartre. Je veux vous dire, je suis honoré de faire partie de cette vidéo et de vous suivre là-dedans, c'était fou. C'est parce qu'au début quand vous le disiez, genre ouais à 100K il va se raser, personne n'y croyait. Du coup pour moi le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'on a eu 100K en vrai. Ouais. J'ai envie de toucher, tout putain ça fait chier ce Covid, tu vois. J'ai envie de te toucher, j'ai envie de rouler des pelles. Ouais. Meilleure soirée. Je tape comme un flic. Waouh. T'es dégueulasse. Putain, je t'ai jamais vu comme ça. Ouais, c'est vrai. What? C'est très... Je peux toucher? Mais t'as pas de menton en fait. Ta tête commence là. Ta tête commence à la lèvre quoi. Waouh. Bon. Salut. Bon, on va pas rester longtemps en fait. C'est vrai. C'est fou.
Wow, vous voulez boire un truc? Non, non, on venait juste cueillir une réaction. Oh bah t'as cueilli quelque chose. Mais quand tu manges, du coup maintenant la nourriture elle tombe sur toi. Elle tombe plus, t'as plus ce réceptacle. Je peux plus la rattraper. Après je me trouve si cher. Tellement pas... C'est pour la vidéo que je fais ça. Mais non, ça fait très bien, je te jure, ça fait bien. Hier je me suis fait un shooting pour finir, faire des photos de beau gosse. Pour me faire kiffer, tu vois. Ah, le baiser, putain. Avant ça se voyait, t'étais un mec de chez Combini. Aujourd'hui, t'es un vendeur de chez Footlocker. Ouais, et c'est ça que j'aime bien. Allô. C'est pour toi, Aurel. Ah, merci. Ça a coupé. Ah, ça capte mal, c'est très bizarre des fois. Attends. Je pense, là, il y a du signal. Mec, j'ai accepté. C'est quoi cette tête? Et j'ai bugué, je me suis dit. Il a ramené un pote à lui à l'ancienne. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'on va faire? Waouh! J'ai même pas lui! Il était pas prêt du tout. Oh, c'est incroyable! Non, mais moi, j'ai un peu pas lui. Regarde-le, c'est pas super. C'est bon. Bah entrez, vas-y. Il a un dégradé, toi. Allez, wesh. C'est quoi ça? Waouh, mais mec. Ah non, ça, toi, ça te fait quoi, à toi? C'est trop bizarre. Ça va? Je pense que ça va. On dirait que c'est un sketch. On dirait pas lui, même là quand il mange et tout. Il y a un autre gars. Ah, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Mais comment est-ce, hey, t'as l'air d'avoir 5 ans de moins, mec. Ouais, ouais. Mais genre, ça t'en fait, t'as l'air d'être. Mais moi, j'ai pas votre âge. Vous savez ouais, pas, c'est très vrai. Sur le palier, j'ai pas reconnu du tout. Enfin, je te jure. J'ai pas reconnu. Mais j'ai bugué. Hein. Pour finir en beauté cette saga des expériences sociales, on va rendre hommage à la chute de l'épisode 1, dans laquelle Anis se baladait dans le bureau de Golden Moustache avec une fausse barbe par-dessus sa vraie barbe. Évidemment, tout le monde s'en rendait compte, excepté Luciole. Mais non. Putain, c'est ouf. T'avais pas vu. Non, c'est un truc de ouf. Essayons ça. Allez. Oh là là, c'est n'importe quoi, ça. Ça commence à être pas mal. Là, c'est le Anis qu'on connaît, là. C'est tellement cramé, mec. Je sais pas quelle porte c'est. Luciole? Luciole? Salut! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? La barbe. Ouais. Tu l'as taillée un peu? Vite fait. Ouais, bah... C'est elle est plus brillante. T'aimes pas? Sinon je peux enlever. Putain. 4 ans après quoi. Où c'était où? Mais ça fait trop bizarre. On le reconnaît même pas. Attends tes cheveux. Quoi que c'est? Attends. Les cheveux aussi? Non, c'est mes cheveux ça. Non, c'est pas tes cheveux ça. Tu t'es pas fait avoir cette année. Je me suis plus fait avoir pour la barbe, mais je me suis refait avoir pour les cheveux. Ah. Non, ça va sinon? Oh bah ça va super. Et hop là. Vous voulez rentrer cette nuit? On va pas t'embêter longtemps. En plus, c'est couvre-feu. T'as, il est quelle heure? Ah, il est 30, hein. Rentrez vite avant que Macron il vous attrape. Bisous. À bientôt. Bon bah voilà, c'est la fin de ce dernier épisode, de la fin de la saga des expériences sociales, j'ai l'impression. Donc bravo à tous, merci à vous, parce que c'est grâce à vous. Si vous étiez pas abonnés à nos chaînes, on ne vivrait pas cette aventure incroyable. Gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Nice, merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Bisous. Ciao. T'as fait ça quand? Une semaine. Mais j'ai... Ah oui, t'as ça fait déjà une semaine. Sur les réseaux. Une semaine, je tiens. C'est lui, voilà, mec, pour ça. Ah, c'est ouf. Ah yes. Il t'amène comme une bête de foire partout. Ah mais c'est ça. T'es le troisième là, ou le quatrième. Ah, je te jure. C'est lui, on en a marre. Au début c'était marrant.